Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va reprendre où on s'était arrêté la dernière fois. Et je avance tout de suite. Donc ce menu là vous verrez à chaque fois qu'on change de côté. Hein. Donc quelques mois plus tard, Seattle, WA, USA. Certains rapports des gardes-côtes font état d'une situation en cours de développement dans le port où plusieurs porte-conteneurs sans signe distinctif refusent de s'identifier. Terminé. Les Russes nous ont pris par surprise. Nous étions en guerre depuis pratiquement 4 mois, et pourtant, nous ne comprenions toujours pas ce qui se passait. Même quand les obus ont commencé à éclater dans les rues de Seattle, les gens restaient debout, sans bouger, choqués et incrédules. La guerre peut être fascinante quand on la voit à la télé, mais quand on y assiste personnellement, c'est une autre histoire. Imaginez votre bureau réduit en miettes, votre voiture balayée comme un fétu de paille. Et votre ami étendu sur le sol, le corps déchiqueté. C'était à ça que ressemblait Seattle ce dramatique jour de l'automne 1989. L'armée se battait en Europe et ailleurs. C'était la Navy qui devait nous protéger contre une invasion. Mais elle avait échoué. Elle s'était laissée prendre au piège. Nous nous étions tous laissés prendre au piège. Quand les premiers chars soviétiques ont commencé à débarquer des cargos, nous avons été quelques-uns à tenter d'organiser la défense. Nous n'allions pas abandonner sans nous battre. Parker, c'est nous, pour information. Red Eye 4, je veux savoir ce qui se passe dans le port. Faites un passage et envoyez votre rapport. Vous plaisantez, mon capitaine? On a déjà perdu 4 hélicos là-bas. C'est une mission suicide. Vous préférez la cour martiale, lieutenant? À vos ordres, je suis en route. Red Eye terminé.
4. Répondez, merde! Éliminez ces communistes, Parker! Il faut sécuriser la zone avant qu'on commence à battre en retraite! Ok, Parker, je sais que vous êtes le chouchou du colonel, mais ça m'impressionne pas. Il nous faut des infos avant qu'on fiche le camp, et je veux que vous alliez les chercher. Découvrez ce qui se passe et donnez-moi l'info, Parker. Je me demande comment ces foutus rouges ont réussi à passer sans se faire voir par la Navy. Donc voilà, c'est vraiment exode comme vous pouvez voir. Hein. Enfer! Ils devaient se planquer dans ces cargos. Et je parie qu'il y en a d'autres en chemin. Appel de détresse, ici le sergent chef Hanson, de la garde nationale de l'état de Washington. Mon unité est encerclée dans les docks et nous avons besoin de renforts urgents. Ils sont en train de nous massacrer! Nous vous recevons, sergent. Voyez ce que vous pouvez faire, Parker. Toutes mes unités sont déjà engagées. Avancez prudemment. Vous avez le temps. Plus ou moins. Non, c'est une mission, faut pas se préciser. Attention à toutes les unités dans Seattle. Je suis coupé de la division et des échelons supérieurs. Nous sommes isolés. Donc or ce chiffre-là, c'est l'efficacité sur la cible. Hein. Donc plus vous êtes loin, moins c'est efficace, bien évidemment. Hein. Donc en fonction des corps, tout ça, 100% c'est-à-dire que c'est une efficacité complète hein, sur la cible. Non, j'ai dit une bêtise, c'est la précision, excusez-moi. Éliminez-les, Parker. Montrez-leur de quelle voie sont faits les Américains. Bon travail! Maintenant, fichez le camp loin de ces docks! Je crois que ces foutus communistes se rassemblent pour attaquer depuis le port! Lol, c'est logique! Unité anti- remonte dans le transport! Infanterie, on embarque! C'était le dernier! Réagir, chef! Nous sommes tous dans... Ici Hanson! La garde nationale possède un dépôt de ravitaillement près du port! Sécurisez-le afin que nous puissions y envoyer des renforts! On aura besoin de toute l'aide possible! Sécurisez ce dépôt, lieutenant Parker! Nous devons y retenir. Ramenez-vous, sale rouge! Mega et moi, on va vous renvoyer voir Staline! On se dirige vers les coordonnées. On se met en position de combat. Tirez sur cette cible. On fonce au combat. Engagez la cible. Voilà. Donnez tout ce que vous avez, salaud! Ça ne nous fait pas peur! Bah, je les tue en fait, c'est pour me faire de l'expérience hein, sur mes Bradley. Parce que plus elles sont Bradley, mieux c'est. On reculera plus d'un pouce. C'est notre pays, merde. Le dépôt a été capturé. C'est là que les renforts arriveront. Assurez-vous que la ZD reste dégagée. De nombreux civils se sont rassemblés au Kingdom. Il faut les sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. Ce qu'il faut, sergent, c'est foutre le camp loin de cette ville avant qu'il ne soit trop tard pour nous tous. Mais restez pour les aider, Parker. On ne peut pas laisser ces gens aux mains des Rouges. Mais on ne peut pas les abandonner à leur sort, mon capitaine. Nom d'un chien, non, c'est impossible. Parker, je ne peux pas prendre le risque d'y aller. Vous allez devoir vous frayer un chemin jusqu'au Kingdom. Vous devriez faire une reconnaissance avant de partir. Les Russes sont sûrement partout maintenant. Je sais, sergent. Parker, envoyez des éclaireurs. Donc
Voilà. Maintenant, vous attendez de récupérer vos 4 missiles. Hein. On commencera en même temps sur la position en t-shirt. C'est vraiment elle qui va poser problème. Le problème c'est que j'ai pas envie d'envoyer mon infanterie, parce que l'infanterie ennemie c'est une infanterie anti-char que j'ai, donc c'est extrêmement efficace contre les véhicules ennemis. Mais contre l'infanterie ennemie elle est très nulle, donc elle risque de se faire exploser. Donc je préfère la préserver, donc je préfère ne pas lui ordonner d'y aller. Hein. Donc par contre ce qui est pratique avec l'infanterie, c'est que vous pouvez mettre dans des couvertures et des bâtiments. Sélectionner une unité avec le bouton 3 pourrait faire entrer un bâtiment. Pour sortir le bâtiment, sélectionner une unité et cliquer avec le bouton droit n'importe où à l'extérieur. Une unité à couvert dans le bâtiment contre nature sur les ennemis proches et reçoit un bonus de défense. Il est plus résistant dans le bâtiment, ennemi hors portée, tout ça. Donc c'est toujours utile. Il y a de nombreux Russes dans les bâtiments sur la route, mon capitaine. On va s'en occuper. Je viens de mettre la main sur une batterie d'artillerie juste à l'extérieur de la ville. Ça nous fera un peu de soutien. Ne le gaspillez pas pour rien, Parker. Et assurez-vous d'éliminer ces fantassins avant de lancer vos unités. Ici Yankee 5. Donnez-nous les coordonnées de la cible et on s'occupe du reste. Terminé. Ici Bravo 4. On subit un assaut soviétique lourd et on ne peut pas tenir. Demandons instruction. Comme vous voyez, c'est ça fait pas tant de dégâts que ça, au tir. Hein. Pas de problème, on tire. Zulu Niner terminé. Reçu, chef. W, c'est raccourci pour changer la formation. Ces gars, je passe plus facilement dans la ville en mettant une formation comme ça. Hein. C'est un. Là, vous en fichez, c'est juste pour plaisir que j'ai fait sauter. La route est dégagée et la batterie d'artillerie a du travail ailleurs, Parker. Ramenez vos fesses au Kingdom. On va aéroporter les renforts, puis on fera venir des camions pour faire sortir les civils. C'est trop tard. Les Russes s'engagent dans le parking du Kingdom. Et mes hommes ont également repéré plusieurs pièces de DCA sur place. Eh bien, je fais annuler l'évacuation. Ces civils vont devoir se débrouiller seuls. À moins qu'on puisse se débarrasser des rouges. Ouais, mais je n'ai pas d'hommes à perdre, Parker. Essayez. Dégagez la ZD du Kingdom pour que les hélicos puissent venir chercher les civils et qu'ils les évacuent. Parker, un Bradley a été endommagé. Il est en panne vers le Kingdom. Allez voir si vous pouvez le réparer, je vous envoie un Humvee. Gunvi avec quelques réparations peuvent réparer. Bon, Gunvi, voilà, les unités de réparation, une vie, chaque réparation peuvent réparer les autres unités. Sélectionnez l'unité pour réparer. Clic droit. Voilà. Gunvi répare très mal les véhicules, mais c'est avantage de réparer un peu. Donc voilà, c'est pour ça que je les utilise. Hein. Excellent, Parker. Vous aurez besoin de ce Bradley. Unité mécanisée, les réparations commencent, chef. Prêt, on commence les réparations. Je perds des hommes partout en ville. On tiendra plus très longtemps. Reçu, chef. On fonce. Missile sur la cible. Missile lancé. Bien compris. Missile guidé. Feu. J'arrive pas à le croire, Parker. On va peut-être réussir. Continuez. Réparation commence, chef. On est en route, chef. Excellent. Alors, la technique, c'est que simple. Vous envoyez déjà vos Bradley. Gardez votre véhicule de transport une vie pour réparer. Un de moins, Parker. Encore un et on pourra envoyer les hélicos. Ici Bravo 4. On a presque plus de munitions et j'ai de nombreux blessés. On a besoin de soutien. Voilà.
truc du joli. Il y a plus de DCA ennemi dans la zone. Je vais contacter les hélicos. Allez à la ZD et mettez en place un périmètre défensif. Et comme si c'était fait, j'ai fixé le tir. Continuez. Quels sont les ordres ? Ici, hôtel 2-9. La ZD est dégagée. Je répète, la ZD est dégagée. On amène des renforts. Terminé. Hôtel 2-9, ici hôtel 6. Tenez la formation et faites attention à l'ennemi. Ils seront vite de retour dans la zone. Hôtel 6, terminé. Voilà. Je vous présente les transports aériens. Black Hawk, hein. Qui est arc de l'infanterie. Bon, c'est juste une mise en scène, mais voilà, c'est... Il y a quand même une belle mise en scène, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Et un magnifique bug qu'on assiste en direct, là. Hélicoptère qui se prend à tir, mais qui ne subit aucun dégât. Le Kingdom a été annihilé par l'artillerie. Ces civils ont eu une sacrée chance que je sois dans le coin pour sauver leur peuple. Maintenant, on peut dégager d'ici. On est déjà resté trop longtemps. Ici Hansen. J'ai des hommes bloqués un peu partout dans la ville. Il nous faut de l'aide pour les sortir de là. Vos hommes vont devoir se débrouiller seuls, sergent. On peut pas rester plus longtemps. Mais vous ne pouvez pas nous laisser mourir ici! Ok, nom d'un chien. Parker, occupez-vous de ça. Je ne peux pas risquer de venir maintenant. Bien, vous les avez trouvés. Aidez-les à nettoyer le secteur. Ça se passe plutôt bien. Merci, mon lieutenant. Il ne reste plus que quelques hommes à aller aider. Je suis sûr qu'on vous a appris ça à West Point, Parker. Si vous donnez l'ordre à vos hommes d'avancer en formation au carré, vous passerez plus facilement dans les rues étroites. Ah, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure en fait. Ça vous permet en fait d'éviter d'avoir des problèmes de dépasser dans les rues. Comme vous constatez, plus il y a des d'explosions pour ça. 4. On a besoin de renforts, bon sang. Mon radio est mort et je n'ai plus qu'un chargeur. Tenez bon, bravo 4, on arrive. Bien compris, j'essaie de me replacer. Bravo 4, répondez. Vous les avez trouvés, mon lieutenant. Aidez-les à nettoyer le secteur, et ils pourront partir. Merci, lieutenant. On vous en doit une. Ouais, un vrai héros, Parker. Il est temps de mettre les voiles. On va passer par le tunnel à l'est. Véhicule cible hors service. On aura besoin de toute l'aide possible. Sécurisez ce dépôt, lieutenant Parker. J'ai plus d'artillerie pour vous aider. Utilisez-la pour dégager la zone. Ici Yankee 5, nous sommes parés et prêts à tirer. Qui est responsable de ce foutoir? Je croyais qu'on battait en retraite. C'est ce qu'on va faire, mais on doit rester organisé. On n'a plus le temps pour ça, sergent. Faut qu'on se barre. Quittez les ondes si vous n'avez rien d'utile à dire. Le dépôt a été capturé. C'est là que les renforts arriveront. Assurez-vous que la ZD reste dégagée. Avis général, il ne reste que moi du second peloton, et je quitte la ville immédiatement. Vous feriez bien de m'imiter. Vous battez en retraite avec discipline, soldat. C'est un ordre. Sergent, je vous emmerde.
Armée américaine, toujours aussi bec. Bon, plus sérieusement, je pars pas beaucoup. Pourquoi il y a beaucoup de dialogue, tout ça? C'est surtout, c'est un jeu où j'ai pas grand chose à dire. Voilà, vous voyez quand on joue. Les unités, faites-moi un rapport avant de changer de position. Ralliez-vous sur la position 2-4 si votre commandant est tué. Comme constaté, ça parle beaucoup. Parfois, il parle pour rien dire. Il y a un peu ce qui est. Donc, c'est... j'évite de couper les dialogues. Le but d'un walkthrough, c'est de vous faire profiter du jeu. Donc, voilà. Donc, je m'excuse pas pour parler. Bon, ça sera un peu toujours comme ça dans ce walkthrough. Merde, vous avez été trop long. Le tunnel est bloqué par un barrage. Vous allez devoir vous frayer un chemin. Comme vous constatez, plus il y a d'explosions, plus c'est couvert. Vous voyez que ça devient de plus en plus noir. Parce qu'il y a de plus en plus de débris en suspension dans l'air, donc ça sera de plus en plus foncé. Obscur plutôt. Je sais, ça va mieux en moi. Donc voilà. C'est vraiment un petit détail ça. Il y a beaucoup de détails que je vous dis comme ça. C'est vraiment. Un détail mais complètement inutile ce que je viens de vous dire. Mais moi j'aime bien. Voilà, c'est un petit détail moi que qu'il y a plein de jeux qui proposent pas ça justement. Je vais même pas mentir, je ne connais aucun autre. Je connais aucun autre jeu que World in Conflict qui propose ça en fait pour l'instant. Donc moi ça me fait toujours quand même quelque chose de magnifique ce jeu là. Uniquement pour ça. De l'autre côté, ça nous montre aussi un aspect qui est sur méconnu des guerres, en fait, vu que c'est, même si c'est fictif. C'est toujours être trop sûr de soi. Voilà, ils se disent, ouais, on peut pas être touché, la preuve que si, en fait. Et qu'au final, dans toutes ici les guerres... Eagle 6, Capitaine Bannon, c'est vous? Colonel Sawyer, comment? Pas le temps, Capitaine. Ramenez les hommes dont vous disposez au pont de la I-90, compris? Mon colonel, je... Un simple « oui, mon colonel » suffira. Oui, mon colonel, on y sera. Bannon, terminé. Alors ce que je voulais dire, ça nous montre aussi un autre aspect de la guerre qui est souvent méconnu, ce jeu. C'est que, avant tout, les civils sont quand même au cœur de la guerre. Hein. La Seconde Guerre mondiale, c'était la Première Guerre mondiale dans laquelle les pertes civiles ont été supérieures aux guerres militaires. Militaires. Donc c'est souvent ça, je pense, qui est souvent un peu troncaturé dans les jeux. C'est que les jeux sont pas forcément mauvais, hein. Mais le problème c'est qu'ils oublient souvent ce passage-là, c'est que les civils, avant tout, ils souffrent aussi des guerres. Ils souffrent des privations, tout ça, mais parfois ils souffrent carrément d'être en plein milieu de la guerre. Et c'est déjà, c'est ça que vraiment que j'aime bien dans ce jeu-là, c'est qu'on peut voir un peu tout le désespoir un peu des différents protagonistes, d'être soit éloignés de leur famille, ou au contraire, de perdre un peu les personnes qui leur sont proches, hein. Donc c'est vraiment ça que j'aime bien dans le jeu-là. Donc ainsi, nous avons accompli cette mission, la première mission que nous avons accomplie avec les Américains. Alors l'invasion soviétique a pris tout le monde par surprise, mais votre défense tenace au centre-ville a permis à des milliers de civils de quitter le lieu. La garde nationale vous doit aussi une fière chandelle pour avoir rallié leurs unités dispersées et les avoir aidé à organiser leur retraite. Les Russes ont été retardés, mais ils sont loin d'être contenus. Alors, nous avons aidé les personnes que nous avons pu, nous avons réussi à évacuer tant bien que mal la ville. Nous avons gagné le ruban de la défense nationale et la citation à l'ordre du mérite militaire. Aux statistiques, je les montre quand même un petit peu. Voilà, c'est une mission plutôt rapide quand même. Voilà, une unité la plus utilisée est soldats anti-char, mon œil. Bon. La tactique, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien. Et vive le jeu vidéo.